Eh bien, bonjour à tous, c'est Raphaël ou Rafi-26 et aujourd'hui je vais vous présenter comment télécharger Call of Duty Black Ops 2. Alors, tout d'abord, vous allez dans Google ou Google Chrome, hein, n'importe quel moteur de recherche vous avez. Donc, déjà, vous allez télécharger Diamond Tool Lite, puis vous avez téléchargé, une fois que c'est terminé, vous avez téléchargé BitTorrent. Personnellement, je trouve que celui-là il est mieux comparé à uTorrent et Vue et autres. Et une fois que c'est fait, vous allez télécharger Call of Duty Black Ops 2 Skydraw. Donc voici là. Vous allez cliquer sur Get This Torrent. Voilà, ensuite on va vous demander, on va vous mettre une petite fenêtre comme ça, et on va vous dire, et il faudra lancer, pardon, lancer l'application. Donc on va le faire. Voilà. Ensuite, quand on va vous demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer, donc moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Donc, et ensuite, une fois que on va vous de Une fois que c'est fini, comme ça, lors de la dernière vidéo, je vous avais montré Far Cry 3, ça veut dire que c'est terminé. Partage, ça veut dire que c'est terminé. Donc ensuite, vous allez dans Téléchargement et vous allez dans Call of Duty Black Ops 2 Skydraw. Mais personnellement, il y avait un ISO déjà, donc vous faites comme vous allez sur Diamond Tool Lite, vous sélectionnez ensuite. Vous sélectionnez l'ISO et vous exécutez le setup. Donc là, à partir de là, je reprends. Donc oui. Ensuite, vous cliquez sur Français. OK. Bienvenue dans l'assistant d'installation de Call of Duty Black Ops 2. Suivant. Là, c'est là où vous voulez l'enregistrer. Vous mettez suivant. Ensuite, cliquez sur suivant pour continuer. Cliquez sur parcourir si vous souhaitez sélectionner un autre dossier du menu démarrer. Ici, là. Donc ensuite, on va cliquer sur suivant. Et personnellement, je veux pas créer d'icône sur bureau, donc je mets suivant. Sans cocher créer une icône sur bureau. Donc on met suivant. Et donc là, ça fait un petit récupérer. Ça fait un petit rappel, pardon, ça fait un petit rappel de ce que vous avez. Donc on va mettre installer et on se retrouve tout de suite après la vidéo. Bon, bah voilà, l'installation de Call of Duty Black Ops 2 est terminée. Donc maintenant nous allons décocher exécuter Call of Duty Black Ops 2 parce que nous avons encore le crack à mettre. Donc on décoche. Si vous avez la dernière version de DirectX ou la version de DirectX 9.0, cochez là. Et si vous n'avez pas la version de Visual C++ redistribuable 2010, cochez là aussi. Personnellement, j'ai les deux. Donc, on fait terminer. Donc ensuite, nous allons faire démarrer. Ordinateur. Packard Bell pour moi. Programme File. On cherche Call of Duty Black Ops 2. Et ensuite, et voilà. Donc on reste là. Nous allons encore ouvrir une nouvelle fenêtre, à part si je l'avais déjà ouvert, une autre. Oui. Donc on va dans la fenêtre téléchargement. On va sur Skydraw. On va copier tous les fichiers qui sont là. Hop. Et on va le mettre à la racine du jeu Call of Duty Black Ops 2. Donc voilà. Donc on fait appliquer pour mes choix pour les trois prochains conflits. Hop, continuer. Oui. Et voilà, maintenant le crack est installé. Vous pouvez jouer à Call of Duty Black Ops 2. Aussi, je vous mettrai les liens des trois logiciels, bah, des deux logiciels de Diamond Tool et de BitTorrent. Et je vous mettrai le lien du torrent dans la description. Je vous mettrai aussi dans la description comment le lien où on télécharge le patch français. Voilà, merci d'avoir regardé et c'était Rafi-26.